Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos, il y aura 26 vidéos, puisque c'est l'Alphabet Challenge. Donc j'ai vu ça sur Insta, je vous dirai ça après l'intro. Donc comme je vous disais, j'ai vu ça en réel sur Instagram, c'est une fille qui fait l'Alphabet Challenge, et j'ai trouvé l'idée géniale. Donc je vous ai demandé en vlog et sur Instagram des idées par A et je choisis soit au coup de cœur du thème, soit au tirage au sort, soit il y a beaucoup de thèmes qui reviennent. Et là j'ai craqué sur arabesque, évidemment, c'est tout moi, voilà. Et je vous ai déjà demandé sur Insta pour B, C, j'ai déjà, D et E, donc... Donnez-moi ça en commentaire de cette vidéo, des mots qui commencent un thème, le make-up qui commence par B, D, E, C, j'ai déjà, ça sera cabaret, voilà. Et je ferai suivant ceux qui ressortent le plus ou celui qui m'inspire le plus. Et voilà, donc bah écoutez, je vais me rapprocher un tout petit peu, on va attaquer, je vous mets le réel, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je vous mets le réel de la personne... de l'Alphabet Challenge que j'ai vu sur Insta, et voilà. Voilà, on va pas se mettre trop près. Donc, j'ai fait mon teint et j'ai mis mon highlighter de fard à paupières focalure que j'ai également mis sur ma pipière, et on va pouvoir attaquer tout vite. Alors, je vais commencer tout simplement, ça va être du liner cake hein, pour tout, avec le Cola de Glisten. Je vais faire tout d'abord un trait de liner classique. Donc je vais prendre mon petit miroir à main. Enfin petit. Tout est relatif. Donc voilà, hein, vu que j'ai rien d'autre sur la paupière, je peux faire un assez large. De toute façon, je fais toujours des très larges, hein, on est d'accord. Oh bah bravo. Ah, bravo moi. Ah bah re-bravo. Qu'est-ce que vous voulez faire quelque chose de correct avec des chiens qui vous embêtent autant. Donc, puisque j'ai bavouillé, on va... Fini ça, voilà, ça va plus vite que d'essuyer. Bon, décidément, mon creux il veut pas. Hein. On va donc attaquer quelques petites arabesques en noir et après je ferai avec une autre couleur et après avec un métallique. Donc, ici je fais un œil assez soft, si on peut dire. Ok, pour cet œil là, je vais laisser comme ça. Alors, ici je vais faire plus. Comme ça, et revenir plus comme ça, je pense, ici. On va voir. Mais là, je vais partir sur des plus grandes arabesques, et un peu plus, donc on y va. J'espère que vous voyez bien que le miroir vous embête pas. L'avantage, c'est que comme je fais pas pareil des deux côtés, j'aurais pas besoin d'être symétrique. Mais là, j'ai l'impression d'avoir les yeux qui retombent à mort. Voilà, arranger ça, ma cocotte. Je crois que vous savez à quel point j'adore les arabesques, hein, j'en fais très souvent. Donc le thème s'imposait. Donc merci à la personne qui l'a eu en tête. Je ne sais plus qui c'est, c'était sur mon vlog. J'ai pas envie de mettre trop de noir, donc on va essayer d'y aller moulou. Je vais juste en faire repartir un plus grand ici. J'en veux pas trop, mais j'arrête pas d'en faire quand même. Non, j'allais dire pour le noir, on est bon, mais je pense que je vais en faire repartir une ici. Voilà, pour le noir, question front, enfin tempe, on est bon. J'ai envie d'en faire ici en dessous, hein, pour que quand même le thème c'est les arabesques, donc il faut quand même pas mal d'arabesques. Hein, mais je sais pas de où le faire partir. Du coin de la bouche, j'ai peur que ça fasse bizarre. Bon, écoutez, je vais quand même en rajouter un petit peu en coin interne. Et bon, là, on n'est plus sur le coin interne, on est sur le pif, hein, on est d'accord. Ok, pour le noir. Donc, je vais changer de couleur. Et je vais partir quand même du... J'avais sorti pour le gris, mais peut-être pas. Je vais prendre le duochrome ici. Non, je vais prendre celui-ci. Qui est le...
Curaca E. Ici, donc c'est un métallique. J'ai essayé de prendre des qui sont pleins, pas des splits, parce que sinon c'est un peu trop chiant. Elle m'énerve. Allez. Alors, je vais déjà refaire une toute petite arabesque ici. Non, le pinceau, ça va pas. Une fois non. Une fois un plus dense. Toi, t'es trop petit. Toi, t'es un quel numéro. Toi, t'es. Oui, on va conclure. Et je refais des arabesques qui repartent des noirs avec cette teinte-là. Je crois que le reste, je vais vous le laisser en musique parce que. J'ai pas grand chose à vous dire. Après, je vais prendre je vais prendre celui-ci qui est dans les teintes un peu mauve, qui est le Elixir. Donc vous verrez, c'est un espèce de multichrome lumineux aussi, mais plus à base blanche. Donc voilà. Je vous laisse la suite en musique. Donc voilà le rendu final pour le A de Arabesque. Ouh, j'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors sur l'élève, j'ai mis le noir de chez Sephora et j'ai rajouté au centre le Cloud. Des mini comme ça, violet de Jeffree Star. Donc j'ai eu le coffret dans le swap avec Manon. Je vous mets le swap en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Et je trouve que le combo avec sur le noir est juste sublime. Et ça ressemble pas mal au Elixir. Et voilà. Et maintenant, on pense encore une fois à celle qui doit se démaquiller. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me donner vos idées pour BDE. La prochaine, on fera FG, je pense. On fera par deux ou trois, puisqu'il y en a certainement que je vous mettrai en réel slash short. Je ne pourrais pas, je pense, filmer tout en vidéo. Je verrai bien, suivant ma motivation. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.